Il y a un énorme investissement de la communauté internationale, en dehors de l'ONU, évidemment, pour faire de la formation au Congo et amener justement, avoir une presse plus large, que Radio Capi ne porte pas tout sur ses épaules. Un des premiers impacts réels de Radio Capi au niveau de la presse, ça a été que personne ne sortait les nouvelles. Mais une fois que Radio Capi avait sorti une nouvelle, tout le monde embarquait dans le train. Donc, d'autres médias commençaient à prendre la nouvelle, la répéter, chercher des réactions. C'est très difficile de sortir une caméra au Congo particulièrement. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que nous, on suivait des journalistes de Radio Capi qui sont adorés, qui sont respectés, qui sont de véritables héros au Congo. Donc, aussitôt qu'on se promenait avec eux dans les marchés, dans tous les lieux publics, et que le micro, ils sortaient le micro pour interviewer les gens, vous les voyez, il y avait un attroupement qui se créait autour de nous, mais personne ne nous regardait, personne ne s'intéressait à nous. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de dénoncer les choses dans ce qu'ils vivaient dans le micro de Radio Capi pour que ça se retrouve en ondes le soir et que ça ait un impact, parce qu'il ne faut pas oublier que Radio Capi, ce qu'on met en ondes le soir, ça a souvent de l'impact, ça n'a souvent pas d'impact aussi. Malheureusement, ça n'a pas bouleversé le pays, mais ça a beaucoup changé de choses, Radio Capi, dans le quotidien des gens.